Coucou, c'est moi, c'est mon jeu. Oh, cool. Bon, je vais m'y remettre tout doucement, mais... Je vais m'y remettre tout doucement. Qu'on se le dise, j'ai un personnage, j'ai déjà niveau 12, parce que c'est pas la première fois que je joue à Red Shadow Legend, et que, pour le coup, j'avais déjà accompli... J'ai déjà complété le tutoriel, etc. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai peut-être un peu oublié, et j'avais eu certains champions. Alors, moi, j'ai une façon un petit peu particulière de jouer, parce que, par exemple, la meuf qu'on a vue en train de faire ses courses, elle est un petit peu badass, clairement j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. J'ai l'art de choisir les personnages plus pour le skin que pour autre chose. Alors je sais que forcément les champions, en fonction de leurs étoiles, ça veut dire qu'ils sont plus ou moins badass. On en a bien conscience, sauf que ben, je sais pas, mais bon moi... actuellement mon meilleur champion c'est donc celui-ci. J'ai pas envie de jouer avec ce truc horrible quoi. qu'on se le dise. C'est quand même malheureux. Il est trop moche. Moi, j'ai envie de jouer avec ça, ça. Regarde. Bon, elle est dueliste, elle est niveau 1, c'est pas... Faut... Alors, évidemment, elle, on l'a choisie parce qu'elle est rousse. Comment je prononce le premier champion? Porte-crâne? Non? C'est pas comme ça? Pourtant, le nom n'est pas... Ah, mais... Attendez, vous voyez pas... Oh, il faut que je vous fasse mon... capture d'écran. Ah, mais oui, non, je suis en train de vous me... Mais vous pouvez pas me dire que vous étiez bloqué sur la scène. Non, attends. Ah, quoi? Ah. Ma blague tombe à l'eau. Ah non, mais c'est moi aussi, là. Vous voyez rien. Ouais, je vous disais que, évidemment, j'avais choisi celle-là parce qu'elle était rousse. Donc, typiquement, dans mon équipe, je préférais avoir elle... Elle également, tu vois, on choisit que les meufs ultra un peu. Les meufs badass. Je suis plus... j'ai plus envie de jouer une jolie équipe que ça, quoi. Mais actuellement, c'est mon meilleur perso, je suis deg. Conseil. Kill. Tu le montes level. Hein? Ah, c'est vrai. Bon, lui... Franchement, lui, il est pas mal. Lui, on peut l'avoir dans notre équipe, largement. Et du coup, potentiellement, si on veut lui faire monter... Alors, c'est un elfe noir, intéressant. Non, mais je pense que je vais quand même le prendre dans mon équipe, parce que voilà, mais... Pourquoi ça devrait être mon farmer de départ? Moi, j'aime bien elle. Elle est rousse, c'est moi, regarde, je lui ai mis des stuff et tout. Alors oui, il est stylé, oui, on peut le mettre dans notre équipe, mais bon, on va pas tout... Attendez, déjà, où est mon équipe actuellement? Parce que là, si je veux l'améliorer de niveau... Il faut que je détruise un autre personnage, on est bien d'accord. Moi, ça me tente pas. Non, effectivement, nous, c'est pas l'optimisation ici. Hein. Nous, c'est pas... C'est un support, elle te met des boucliers et d'huile. Déjà, moi, je joue sans... Red Shadow Legion va me détester pour ça. Mais j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller sans forcément investir dans le jeu, tu vois. Ma curiosité veut que ce fasse ça, parce que... Pour être honnête et transparente avec vous, j'ai un petit budget, par exemple, si je veux aller en magasin. Alors, est-ce que c'est le magasin? Oh, attendez, j'ai des trucs gratuits quand même. Des trucs gratuits, on prend. Mais forcément, bah, c'est un jeu type gacha, donc tu peux acheter des choses et qui te permettent d'avancer quand même dans la partie. Mais moi, j'ai la curiosité sur ces jeux-là de voir jusqu'à quel point je puisse avancer. Alors, par exemple, je pourrais prendre ce pack. Je sais pas ce qu'il vaut, aucune idée. Parce que ça pourrait rentrer dans le budget de l'OP qu'on m'a donné. Mais... Ben, j'ai la curiosité quand même de me dire... non, j'ai envie de voir... J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller un peu comme ça par moi-même, quoi. Vous voyez? Alors du coup, là j'ai des trucs à ouvrir.
Il me faut 500 pièces pour invoquer. Donc ça, on va pouvoir le faire. Ok. Attendez, j'invoque. Un truc bien ! Bonjour madame ! Prédicatrice. Ouais. Bon après, niveau 1, c'est pas foufou quoi, mais vous êtes engagée. Là, on en a plus, et là, on en a un. Là, ça va être encore mieux. Y'a beaucoup de monde sur le jeu ou quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de phases de téléchargement, c'est possible, hein. Alors... Il est moche ! Il est rare, il est 3 étoiles, il est soutien. Je veux l'équipe la plus swag possible, je vais me retrouver avec que des trucs, des lézards, des égouts, genre. Pas de chance, vraiment. Il a mangé trop de Big Mac. Équipe un champion rare de type attaque avec 6 artefacts d'attaque. Ça je vais voir. J'ai envie qu'on s'échauffe parce que ça fait longtemps et que peut-être on refasse une petite campagne. Peut-être même la première, le château. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que je pense que s'il n'y a pas les 3 étoiles, c'est parce que mes temps sont pas fifou dans l'absolu. J'ai envie de, voilà, de pas trop prendre de risques et de me refaire un petit château de Kairok. On peut avoir du butin et des champions plutôt sympas en plus. Alors je sais plus comment ça se passe. Si je fais bataille, voilà, c'est là où on choisit les personnes qui vont attaquer. Donc on peut mettre lui et on peut mettre elle dans l'absolu. Pour avoir 3 étoiles, tu dois faire avec 2 champions. 2 champions ou moins. Aucune perte. Aucune perte ? On va essayer les 3 étoiles. Vous pensez que ça passe ? Franchement, ils sont niveau 1, ils sont niveau 10 et 12. Testons. Allez, c'est parti. Oui, vous inquiétez pas. Alors, le code CEPFEP22, c'est un code promo. Que si vous prenez, vous pouvez... franchement, là, je trouve que notre équipe est super badass. Effectivement, vous avez le droit à des petits cadeaux in-game, quoi. Sombre éclair. J'essaye de me rappeler en même temps, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Ah oui, plus assise, il me semble que j'aimais bien. Est-ce que ça tape les deux ? Trop bien. On les défonce. On les défonce. Attaque 4 fois au hasard pour un set de 40% de chance de placer un débuff de poison de 5% pendant 2 tours. Buff d'augmentation, lumière divine qui soigne un allié. Je pense que... attaque, hein. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être qu'on va avoir les 3 étoiles. Je les atomise. On continue. Ah, je suis contente. Coucou, Vladi. Ah, oh, du retour de taf. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Inquiète pas. Ah, ça le finit pas. Hein. Après, ce que j'aime bien dans la mécanique, c'est que ça reste du tour par tour et tout. Ça, c'est tout. C'est des jeux qui me plaisent. De manière générale. Là, c'est des jeux, il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs, je crois que... Attendez. Je crois qu'il y a des talking points.
Ah oui, je vous l'ai pas dit. Bon, je le dis. Non, mais parce qu'il faut que quand même je réponde à toutes les consignes. On va être payé. C'est un jeu free-to-play disponible sur mobile et PC. On aime bien les graphismes, c'est vrai. Pas tous les persos quand même. Il y en a qui sont des. Mais dans l'absolu, il y en a qu'on aime bien. Oh, merci Misaki Mitsuru. Oui, je sais pas si je l'ai bien dit. Misaki Mitsuru. Merci pour le sub et bienvenue dans la Naorde. C'est vrai que le gameplay est plutôt simple. Alors, c'est le top, c'est le troisième RPG sur mobile avec 15 millions de téléchargements. En même temps, c'est énorme. Ils ont fait tellement de com que ça m'étonne qu'à moitié. Mais voilà, il y a actuellement 400 champions. C'est énorme donc à collecter et à customiser. On peut créer une team et faire soit du mode campagne comme je suis un peu en train de faire ou carrément faire du PVP. Et il y a 14 champions qui sortent chaque mois. Ben moi, je ne le savais pas. Moi, je l'apprends avec vous. Hein. Et on peut progresser dans le système de récompenses. Voilà, je pense que là, j'ai vraiment dit un peu tous les bails qui étaient importants, sur lesquels ils voulaient que j'insiste un petit peu. Donc ça, c'est fait. Mais vraiment, ici, c'est une promenade de santé pour le moment. Avec mes persos niveau 10 et 12, ça se passe plutôt bien. Alors effectivement, avec les petites icônes ici, et ça on le voit, c'est que quand l'icône est rouge et tout, ça se passe plutôt pas mal. Enfin, c'est un petit peu difficile. Quand l'icône est verte, ça va plutôt bien se passer. Et quand l'icône est jaune, c'est moyen, on va dire, par rapport au counter. Mais comme ils sont très bas level, franchement, ça se passe vraiment très bien. Après, je sais qu'il y a des chronos. Je sais pas si les chronos nous... font qu'on est plus ou moins bien noté. Non, je pense que c'est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport aux difficultés. Coucou de carnassier. Donc si vous voulez m'aider, effectivement, à, vous pouvez compléter le tutoriel. Voilà, pour ceux qui le souhaiteraient. D'ailleurs, du coup, c'est là je suis en train de faire la première campagne, quelque part, qu'on est amené à faire quand on commence. Je vous la tease un petit peu. Sachant que c'est une campagne que j'ai déjà faite, mais je vise le 3 étoiles. Bon, vous avez raison, Kairan... Comment il s'appelle? J'ai déjà oublié son blaze. Il est quand même ultra badass. Ça se passe plutôt bien. Mais là, on a une team badass, là, j'aime bien. Calmez-vous, monsieur. Voilà. Faudrait pas mourir quand même. Nickel. Bon, sinon vous, ça va? Au-delà de ça, parce que bon, on peut reprendre la discussion. Bon oui, avant qu'on se lance à proprement parler dans le jeu vidéo ludique, j'étais en train de vous dire ouais, j'étais quand même grave contente d'être revenue habiter ici et que c'était ultra confortable. Kael. Donc regardez ici, bah finalement c'est pas mal d'avoir des joueurs aguerris ici sur le chat actuellement qui viennent de nous dire que Kael, donc mon petit elfe noir, ça servira aussi aux gens qui verront la VOD sur YouTube. Grand hall débloqué, débloque de puissants bonus, dépense les médailles gagnées dans l'arène, classique pour débloquer de puissants bonus pour tes champions, optimise ton développement. Accélère tes progrès, gagne un avantage sur tes adversaires. Ok. On verra ça. Après, grand hall, on ira regarder. Donc Kael qui est l'elfe noir, on me dit effectivement, il faut ne pas hésiter à le level up en priorité parce que c'est un personnage vraiment efficace qui sera utilisable longtemps et partout. Et vous-même qui jouez sur le chat, vous jouez en version vraiment free-to-play ou vous avez investi énormément dans le jeu, genre pour savoir... Ah, du coup, là, je passe forcément... Oh. Ah, du coup, j'avais pas les deux étoiles là. Et pour valider les trois étoiles, je suis obligée de passer par le valider les deux étoiles, du coup. Alors, du coup, non et non. Très fatiguée de mon côté, le taf me tue. La restauration recrute au passage. Oh, la restauration, c'est un des... Ça a vachement souffert... Bon, on va la prendre elle parce qu'elle est quand même plus badass que lui.
qui a souffert du Covid. Hein. En même temps, la restauration, c'est difficile. Hein. Je viens de recevoir mon livre de JDR Power Rangers pour mon anif après-demain. Je suis trop heureux. Oh, trop bien! Enfin, les Power Rangers, ça date quoi, mine de rien, ça me rappelle... je regardais ça. Bon, je regardais pas que ça, évidemment, mais... Pluie de flèches de niveau 1. Tous les ennemis, c'est pas mal. Double tir, deux fois un ennemi. Vu qu'il est tout seul maintenant, autant l'utiliser ça. Après, elle tape pas très fort, elle, par rapport aux autres. Du coup, je pense que ça déverrouillera pas tout le donjon en mode 3 étoiles là, puisque je suis encore en train de compléter des salles à 2. 28ème ! Attendez, les Power Rangers, ça a 28 ans ? Ce qui est relou, c'est que les gens ne comprennent pas les difficultés qu'on traverse en ce moment et sont toujours plus exigeants. Genre par exemple, t'as des clients relous. Est-ce que ça, c'est pas... J'ai l'impression que les caissières aussi se plaignent de beaucoup plus de gens relous, mais est-ce que c'est pas genre l'ambiance en ce moment qui a rendu tout ça un petit peu stressant et les gens énervés, est-ce que du coup ils passent pas leur nerf un peu plus facilement Est-ce que les gens n'auraient pas tout simplement oublié tout le sens du mot respect, genre? Technique normale, oui, mais c'est une adaptation des Sentai qui ont plus de 40 ans. Ah ouais. Bah, j'y étais pas. Vous savez, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si c'est possible. J'aimerais bien faire du react de Takeshi Castle. En vrai de vrai. On se regarde des vieux épisodes. Je sais pas pourquoi, vous me parlez des Power Rangers, si je pense à Takeshi Castle, il n'y a pas vraiment de lien à cause à effet, si ce n'est que parfois c'est aussi chez Père, je dirais. Fente magnifique! Plus pour longtemps. On gagne des niveaux et on est déjà au boss. Je crois que les gens ont perdu l'habitude de sociabiliser. Oh, je pense... Ouais, je sais pas, enfin, quand tu vois ce qui se passe là en ce moment... D'ailleurs je suis étonnée, je continue à suivre un petit peu ce que fait Dofla forcément sur la scène de Twitch. Et comme vous le savez, il fait pas mal de react entre guillemets d'actu avec TPMP et donc un peu de politique aussi. Et en l'occurrence, hier il a fait une émission un peu spéciale pour parler, sans lien avec TPMP là pour le coup, mais pour parler de la situation en Ukraine en faisant intervenir quelqu'un, j'imagine, de compétent sur le sujet, enfin j'en sais rien. Et en vrai, il y avait masse monde. Bon, j'ai vu des gens critiquer ça aussi en se disant que c'est pas forcément des programmes qui avaient leur place sur Twitch, mais moi j'ai l'impression que Dofla par moment est en train de nous... Ouais, c'est le BFM TV du futur un peu. Enfin, je sais pas si c'est pris comme une insulte ou pas, BFM, je sais pas comment ça peut être interprété, mais c'est dans le sens très, très réact de l'actu en fait. Pas que du réact d'animé. quelque part, je ne peux m'empêcher de trouver ça intéressant. Que ce soit du contenu, tu sais, il faut de tout hein, sur Twitch. On va perdre personne. Hein. Bon, par contre, elle tape pas très fort, c'est vrai. Mais voilà, le boss, ça c'est good. On a pris de l'expérience et du coup, qu'est-ce qu'on gagne dans toute cette affaire ? Quête quotidienne gagne cette fois des batailles de campagne. Ah, ça nous enchaîne directement. Étape 2. J'ai entendu React CPMP, j'ai eu mal à la nuit. Bah, c'est ce qu'il fait, hein. Je veux pas dire qu'il fait le contraire. Récupérer. Hop, un boost d'XP. Ça se prend. Je veux juste aller regarder ce que j'ai potentiellement débloqué ailleurs. Le grand hall, ça on a débloqué du coup. C'est quoi? C'est comme un arbre de compétences un peu? J'imagine que oui.
Sauf que pour l'améliorer, il faut des artefacts que j'ai absolument pas, qui, j'imagine, s'obtiennent du coup dans l'arène. Sauf que l'arène... Aucune idée de savoir si c'est quelque chose qui m'est accessible ou pas. Par contre, j'ai des trucs à ouvrir ici. Ah ! Oh, bonjour ! Peu commun. Ok, ok. Oh, ça, on va le donner à manger, hein. Pour améliorer nos persos. Oh, tueuse de mages. Ah, elle est ultra badass. Dommage qu'elle soit qu'une étoile. Les elfes noirs, ils ont un swag quand même. Hein. En plus, c'est un personnage commun. Oh, merci Géo. Merci Géo l'intrépide, c'est adorable. Merci beaucoup. Jaeger, c'est un nom d'alcool. D'un côté, je suis partisan. Alors par contre, Géo, je suis désolée, le code promo, il est valable que pour les gens qui sont passés par mon petit lien. Donc c'est valable que pour les gens qui viendraient de télécharger. C'est vraiment un pack cadeau pour les petits nouveaux, quoi. Enfin, pour les petits nouveaux. Ou en tout cas, si vous faites un nouveau compte. Donc pas si vous avez déjà un personnage au level et que vous mettez ça sur votre compte. Je l'avais pas précisé, mais oui. Alors, voyons voir les quêtes. Invoquer 3 champions, ça je peux récupérer. Combat 5 fois dans l'arène classique. Bon, elle est où cette arène? J'ai envie de tester. par contre, on risque de mourir, quoi, mais on peut tester. Arène. On est d'accord que c'est du PVP, du coup. Ça va absolument mal se passer, je pense. Oh, c'est gentil. Si tu passes par mon lien et que tu fais le tuto, du coup, tu vas être comptabilisé en plus. Actuellement, on est à... J'attends que ça se change de scène, mais... Ah ! On est à 7 personnes qui ont réalisé le tuto sur le palier des 15. Donc, merci, merci à vous. On est presque à la moitié. On est presque à la moitié. Bon, on teste l'arène, j'ai peur. J'ai peur, je sens que je vais être nulle. This is the classic arena where you compete against other players in traditional 4 versus 4 battles. Attends, comment ça? Ça, c'est ses persos à lui? Il a des persos niveau 25! Il a une équipe! On va jamais y arriver. Des gens qui... Des persos full équipés aussi, j'imagine. Niveau 30, niveau... Donc ça, censément, c'est des joueurs un peu de mon niveau, sauf qu'ils ont une équipe beaucoup plus badass. Lui encore, il a peut-être une équipe qui ressemble un peu à la mienne. Basic arena play is split into two types, offense and defense. Le jeu en arène classique est divisé en deux types, attaque et défense, d'accord. Une fois que tu as établi ta défense d'arène, cette équipe combattra les autres joueurs pour toi. Ces batailles se déroulent automatiquement et tu ne les contrôles pas. L'attaque d'arène est différente. Tu cibles la défense d'un autre joueur, tu choisis ton équipe et tu pars au combat, tu contrôles tout. Ouais, mais il a un mec à 24 avec la pluie d'acide là. Donc les batailles contiennent la liste de tes adversaires. Les batailles d'arène sont difficiles, sois donc certain d'étudier les champions de chaque équipe avant de lancer un combat. Ceci affiche ton niveau d'arène. Mon niveau d'arène est nul. Ton total de points en cours et le temps restant avant la fin de la période de classement. Oh. Il est niveau 13, mais ses persos sont beaucoup plus up que moi. Petite preuve pour Raid ou Summoner Wars. Alors, j'ai jamais joué à Summoner Wars. Ou en tout cas, j'ai pas souvenir. Du coup, j'ai joué qu'à Raid Shadow Legends. En vrai, j'aime bien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même assez diabolisé, je trouve.
de par... En fait, il y a un côté hyper addictif, hein, si je comprends bien quand même, dans ce jeu, qui fait que les gens ont une facilité à parler un peu du... à passer au portefeuille. Je peux comprendre en même temps, si tu joues qu'à un jeu, de temps en temps mettre de l'argent, tu vois, moi-même sur Dofus, bah, je paye mon abonnement, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est à chacun de... Voilà, n'allez pas vous endetter pour un jeu vidéo, je pense que c'est important de le préciser, et Red Shadow Legends m'en voudra pas. C'est là que tu mettras sur pied ta défense d'arène. Bon, je vais essayer de mettre une défense, mais bon... Ajouter un champion. Bon, on va le mettre lui parce qu'il est bien dégueulasse. On va mettre lui parce que c'est voilà. Tac et tac, je pense. Alors, en vrai de vrai, on aurait peut-être dû mettre le chef lui quand même. Kael en chef. Ce qui me fait une puissance d'équipe de 7800. Bon. Est-ce que, avant de tester ça, je peux pas, par hasard, essayer de... d'améliorer un peu mes persos, quoi. C'est-à-dire, genre Kael, on peut le faire up, là, non? Pour l'améliorer, du coup, si je comprends bien, je dois lui faire bouffer les petits trucs. Ça, ça coûte un peu d'argent. Il passe du niveau 13 au niveau 15 déjà. Améliorer le rang. Quand un champion hit le maximum level pour leur rang, vous devez upgrader leur rang pour continuer à improver. Chaque nouveau rang increase un champion. On n'y est pas encore parce qu'on n'est pas au niveau maximum. Vous devez sacrifier des champions ou des chickens. Ok, sacrifier des trucs du même rang. J'y vais encore. Merci! Merci Xaireo qui attend le niveau 12. GG, well play. Wow, t'es allé si vite. MDR. C'est BestSmartMath qui m'a fait découvrir le jeu il y a un mois. Ah oui? Améliorer les compétences, ça aussi c'est pas mal. You can upgrade a champion's skills in two ways. Either by sacrificing duplicate champions or by using skilled... J'ai des tomes de compétences. Ah oui, j'en ai. Je veux monter la pluie d'acide là, elle est trop bien. Ah, ça monte forcément. Oh, c'est parce que je voulais améliorer, moi. Ah. J'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Et par contre, pour améliorer potentiellement les items... Ouais. Ah. Par contre, si je peux... Ouais, ça coûte de l'argent de lui retirer les trucs, quoi. Tout coûte, ma parole. Bon, je m'optique grâce à vous. En vrai, vous êtes de bons conseils, ça me fait plaisir. Au moins, on essaye de faire les choses à peu près correctement, quoi. J'ai tous les skins sur LoL, je peux pas me contrôler. Je pense qu'il vaut mieux que je reste à l'écart. Oui, je pense aussi, du coup. Moi, sur LoL, j'arrive complètement à jouer sans skin. Après, j'en ai mis parce qu'on me les a offerts et en vrai, ça fait plaisir. Ou alors parce que le jeu a mis à disposition aussi des moyens d'en déverrouiller aujourd'hui. C'est trop cool. Oh, merci Freyer qui attend le niveau 12 aussi. Incroyable, merci beaucoup. Alors ça, je peux garder potentiellement... Non, c'est du vol de vie. Je retire quand même. Ok. Alors, on lui met l'attaque, on a dit.
On lui met ça. En vrai, vous êtes de bons conseils. As-tu douté de la compétence de sa commune? Non, vous êtes forcément plus fort que moi. C'est sûr. Mais du coup, c'est trop cool. Donc, je lui mets ça alors. Et le vol de vie. Je sais pas à qui mettre. Ok, Kael, hop. Il a ses nouveaux gants. Il a sa petite nouvelle armure. Et il a ses nouvelles chaussures. On va essayer d'améliorer les items. Ah, pour les tomes de compétences, t'as pas fait n'importe quoi, c'est aléatoire. Des fois, on met tous les tomes pour avoir les compétences qu'on veut absolument. Mince, j'ai pas vu qu'il y avait... Je pense que si je vais sur Stream Element, je peux voir qui a complété, parce que là... J'ai raté le blaze. Et c'est quand même dommage. Ah, je savais pas que c'était avant l'avoir. Le set de vol de vie sera pour Kael quand tu auras 4 parties. Ok. Alors, c'est Razaet. Alors, merci à Razaet qui a fait le tuto Frayer, Xareo pour le niveau 12. Kevin aussi qui a fait le tuto Someone, hein, quelqu'un qui est resté anonyme. Frayer, Pipotter, Fenrir, Someone et voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Ou presque. Pour les tutos et les niveaux 12, merci infiniment pour le soutien, merci beaucoup. Je remets ma scène. Et la musique! Ok, ça sera quand on aura 4 parties. Elle, du coup, je lui mets la vie. Il y a des casques 3 étoiles. Ah, j'ai des trucs en double en fait. Ok. J'ai pas de chaussures! Oh non. Je peux peut-être lui mettre des petites bottes de défense en attendant. Je pense que je vais faire ça. Du coup, on monte les stuffs aussi. Oh! Merci Frayer pour le stuff! Je dois level up niveau 13, merci infiniment pour le soutien. Je pense... on va essayer d'améliorer ça. Ça s'est validé, ça fait une quête en plus. Faut que je fasse ça avec tous les items, j'ai eu de la chance à chaque fois là, plus 4. Attendez, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une étoile en moins qu'avant? Je me suis fait On a perdu quelque chose là, non? Et pas 4 étoiles avant? Nao, tu as prévu d'autres futures récompenses de Nao Point? J'en ai 60 000 presque, je sais pas quoi en faire. Oh oui, enfin, là comme ça, je n'ai pas forcément de choses. Mais dans l'absolu, si... Ah non, il y avait que 3 étoiles un peu partout. On va faire ça, hein. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien, la forge magie, là, actuellement. Il y a un monde où il n'y a pas de succès, du coup? Coucou Mimi. Bon, j'améliore tout en plus 4. Minimum. Parce que chance d'amélioration, genre élevée. Certaine. Tant que c'est certaine, tu peux y aller 100%, ça passe, quoi. Je pense quand c'est élevé, il y a une chance où ça passe pas. Ah voilà, on a eu un échec. On s'arrête là alors. Mais tant que c'est certain, en vrai, on devrait y aller en mode go-go, hein. Coucou Fémé. Oh, je suis en train de m'optimiser là, ça va être une dinguerie, je pense. Mince.
J'ai pas fini. Ah voilà. Elle aussi j'améliore. Et pour ma crate, j'allais dire. je suis matrixée par Dofus. Ouais, j'ai un petit cra là aussi dans mon équipe. Enfin, j'ai une archère en fait. Est-ce que je devrais pas, elle aussi, l'habiller un peu? Je sais pas si elle a des habits, on va voir. Très cool. Plus 4, plus 4. Je suis vraiment en train de tout améliorer là. Tout ça pour faire de l'arène en mode... Faut que nos équipements tiennent la route quand même. On va aller se refaire un petit donjon après. J'ai envie de me faire un petit donjon là. Petite campagne. Ah, ouf, j'ai de la chance parce que je me suis emballée là. Coucou Voldarion. Là aussi je me suis emballée, on se calme. Ok, ensuite on a du coup notre archère. Ouais, elle, je lui ai mis un peu tout et n'importe quoi. On va lui mettre un chapeau quand même. Je préfère qu'elle ait un petit quelque chose sur la tête. Par contre, ouf, c'est vrai que je l'ai pas... J'ai pas monté les bails. Je vais pas monter. Oh, merci Xareo. Xareo 2. Merci beaucoup. Merci. Alors, les persos avec 1 et 2 étoiles de base doivent rester sans équipement car c'est des champions à up et changer de rang pour changer de rang des champions comme Kayle. Et pour l'instant, comme j'ai... Pff, tu veux dire que je devrais habiller celui-ci là? J'ai pas envie de jouer avec gros tas de morve. Gator. Oh non. Je garde mon archère. Je ne faiblirai pas. Je suis désolée, j'ai un minimum de respect pour mon équipe. On veut des BG. La sélection est rude. Ah non, mais j'assume à 100% de sélectionner sur le physique. Hein. On se le dise. La meuf pas au petit du coup. Bon, les artefacts, c'est monté. Ah, tout ça, c'est... Écoutez, moi je prends. Hein. Coucou, voilà, tout ceci s'est réalisé, c'est incroyable. Alors, mission de champion, utilise 4 infusions d'XP à la taverne. Ah ? Des infusions d'XP ? Et comment je les utilise ? Je vois que j'en ai 4 là. Octroie de l'XP aux champions de toutes les affinités. Les champions magiques recevront de l'XP bonus. Comment je bois ma petite infusion, là? On a soif! Tavernier à boire! Info? Non. Je veux ma tisane. Déverrouille un champion, pourquoi? Déverrouille un... Je fais des hauts faits sans faire exprès. Perfectionner? You can ascend champions by using potions to tu peux perfectionner les champions à l'aide de potions pour débloquer de nouvelles compétences et augmenter considérablement leurs statistiques. Le niveau de perfectionnement d'un champion est indiqué par le chiffre dans les étoiles violettes. Un champion de rang 4 peut être perfectionné 4 fois alors qu'un champion de rang 3 ne peut l'être que 3 fois. Ok. Dépend de son affinité. Et bah... J'avais pas 4 potions?
Puis je suis perdue. Il faut plusieurs potions pour faire un mixeur de potions. J'ai deux potions là. C'est pas ça qu'on veut. Infusion magique. Ça doit être spécifique. Oh, GG, on n'a pas lu le... Les trois, niveau 12. GG, Frotlosia, si c'est toi qui l'as passé. Incroyable, merci. Attendez. Comment je bois mon thé? On peut pas alors. C'est comme les champions que tu donnes à manger. Mais on peut pas prendre le thé, regarde. Je peux pas faire glisser le thé dans... Alors, il faut déverrouiller, non? Là, c'est que pour bouffer les champions, du coup. What the fuck? T'étais là tout à l'heure aussi? Ouais, je suis peut-être juste bigleuse alors. Oh, merci, Samoine! Je peux lui donner à boîte 4 d'un coup. Et ça sera fait. Bah, c'est fait. Il va passer niveau 15. Hop! Et ça fait une mission de champion. Tout ça pour boire de la tisane et faire ma petite quête, là. Hop. Oh, on a 5 trucs à ouvrir. Trop bien. Mission de champion. Invoque 5 champions. 5. Ça fait beaucoup, ça. Quête du jour. 50 énergie. Combat 5 fois dans l'arène classique. Oh, mon Dieu. Termine toutes les quêtes. Termine toutes les quêtes, c'est-à-dire... C'est vrai qu'il y a beaucoup de pop-up aussi, je suis d'accord, mais... J'essaie de récupérer des trucs un peu partout. Gagne une bataille de campagne en utilisant 4 champions de niveau 20 ou supérieur. Après, il y a des récompenses à récupérer un peu partout aussi, hein. Hop, les champions dans l'arène, ça c'est fait. Par contre, gagner des trucs en arène... Walalalala... On va ouvrir nos trucs quand même. Donc si je comprends bien, avec l'éclat mystérieux, on va avoir que des trucs dégueulasses et sans vraiment d'étoiles, quoi. Ah, dégueulasse, je confirme. Un troglodyte. Bon, il va être bouffé, celui-là. Ça va être mangé, ça. Ah, bonjour madame. Ah, ça c'est charmant. Barbare, on la connaissait pas. Ritualiste. Oh, on dirait... Canigroula, vous trouvez pas? J'aime bien, hein, full tatoué et tout. Peu commun. Alors, le démon, il est ok, je trouve. Coucou Morpheus. Ça s'appelle les murs. Up les champions pour des missions de quête défi. Ah, donc je les up pas tout de suite, je les garde pour quand j'ai une quête, up les trucs. Ok, ah, le bandit, ça me fait penser à un personnage du Game of Thrones. Il me reste un éclat mystérieux. C'est pas bête, t'as raison. Et les seigneurs. Très bien, et ça fait une nouvelle mission. Mais. Ah bah voilà, invoquer les 5 champions, c'était fait. Mission de donjon, termine l'étape 1 au supérieur du donjon des arcanes. Alors là, petite bataille. Donjon des arcanes. Il permet de récupérer des potions d'arcane, c'est ça? Bah tentons. Alors, chef Kael. On peut mettre plein de gens!
Bon, si je comprends bien, comme il est 3 étoiles, on est obligé de le prendre, quoi. Bon, il est niveau 1, par contre, mais bon. Oh non. On joue avec gros tas de morphes, JPP. Guide de boss, par contre, pourquoi? Ah, ça nous montre toutes les compétences. Attaque tous les ennemis, inflige 50% de dégâts en moins contre les cibles ayant des buffs actifs. Place un buff d'augmentation de défense de 60% et un buff d'augmentation de vitesse de 30% sur son champion pendant 2 tours. Immunisé contre les debuffs, étourdissement, gel, sommeil, provocation, blocage des compétences, etc. Bon, il est plutôt immunisé, quoi. Oh, bravo pour le niveau 12! Bravo! Incroyable. Commencez! Oh, on peut avoir des items de folie, alors! Bonjour? Oh JPP, on dirait une tortue ninja dans mon équipe. Wow. Excuse-nous Kael. C'est vraiment ultra pété du coup. Ça, ça buff tout le monde. En vrai, autant finir ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire? Frappe ensorcelée de niveau 1, attaque un ennemi, possède 30% de chance de placer un debuff de réduction de soins. Ok. Place pendant 2 tours un buff d'augmentation d'attaque. Retire tous les debuffs sur tous les alliés. Mais... Oh, il va faire sa petite frappe ensorcelée, y'a que ça à faire, hein. Et là aussi... Ah oui, il fait des déchirures, verser le sang. Il a une charge... Bon bah déchirure, allez go! À l'attaque! Combo griffe! Oh, c'est le boss! Oh, il a un petit côté... Jamie Lannister, vous trouvez pas? Bon, attaquons les mecs qui viennent autour de lui déjà. De moins. Nice. GG nous. Réduit l'attaque. Aïe. Pourquoi il est 10 fois plus grand que tout le monde? C'est un géant en fait et personne nous a prévenu. C'est le moment où, où on va le spam autant qu'on peut. Ça me fume comment ils sont obligés de courir sur le mec. Aïe. Wouah. Que j'ai vraiment besoin de debuff les alliés en vrai. Allez, oh, attaque augmentée. La tortue ninja qui nous buff tous. Je pense que c'est efficace en vrai. Nickel. Il survit pas là. C'est bon, il va mourir. Tranquillement. Voilà! Voilà! Mine de rien, avec ça, on prend aussi de l'expérience, quoi. Hop, ça c'est validé du coup. Après, je trouve que c'est assez didactique dans le sens où ça te guide vraiment sur ce que t'as à réaliser et tout, tu vois. Genre mission de donjon, ça c'est fait. Par contre, la team BG, elle est plus BG, quoi. Ça, c'est vraiment terrible mission. Terminer les top 7 des catacombes de Narbuck en normal. Et on aura un truc pour monter les sorts. Notamment, on pense à la pluie acide, évidemment. On aimerait bien. Les top 7 des catacombes. Campagne.
Alors là, c'est un autre niveau. Hein. Étape 7, c'est le boss, en fait. Ben, c'est parti, hein. Bon, on se refait tout le donjon, histoire de s'échauffer. On s'échauffe, on s'échauffe. Toujours ça de bon à prendre. Ne tape pas mon porte-crâne, il t'a rien fait, il est gentil encore. Mais ouais, on est plus du tout BG là. Nice. Ah, du coup, ah oui, c'est vrai que quand il tue, dans la foulée, ça repart. Trop bien. Oum. Aïe, aïe, aïe. Blizzard, voyez-vous ça? Je suis pris au jeu. Alors pour certains endroits c'est normal, mieux vaut avoir une team qui n'est pas BG qu'une team BG. Waouh, merci! Oh là là, vous êtes chaud mais vous êtes déjà bientôt tous niveau 12, c'est incroyable! Vous êtes trop fort! Merci Samoine qui rejoint! C'est marrant pourquoi parfois il n'y a pas des pseudos par contre, je sais pas. Merci beaucoup en tout cas! Le poison là. Hop! Atomisé! C'est l'étape 1, c'est une victoire, ça prend des niveaux, c'est toujours bon à prendre. Alors ça me... Cette pluie acide me... Elle est extrêmement satisfaisante, vous trouvez pas? Samuel, le tuto a été fait sur tablette ou mobile. Ah, c'est adorable. Alors là, j'aurais pu utiliser mon sort qui tape tout le monde. Par contre, les persos féminins, ça me fume aussi quand même. Hein. C'est Ah, c'est bien là. Peut-être je peux faire un double combo de... Alors lui, ça le régène. Par contre, si je fais un combo griffe et que je la tue là, il peut relancer son... Ah non, ça marche pas. Mince, je pensais que ma stratégie était viable, mais pas du tout. Je croyais que c'était son passif, quelque part. Je croyais que c'était le finisher. Mais non, je me suis plantée. Remessage de ma voisine qui a voulu mettre un porte-manteau. Je vais t'envoyer la photo, je ris jaune. Elle a cassé le mur. Ouais, mais il est peut-être un BG à l'intérieur, on sait pas. Elle est stylée de ouf par contre. Bon, elle est morte aussi. Paradoxalement. Mais elle était quand même BG de ouf. Alors ça par contre, ça c'est notre énergie, c'est-à-dire... c'est fou, là ça veut dire que je suis à 30... 388 d'énergie sur 54. Je la mets sur Discord pour ceux qui veulent voir. Donc elle t'a détruit le mur de la maison. Après, en tant que locataire, elle a le droit normalement de faire des trous, mais elle est censée les reboucher. Enfin, ça doit être en l'état quand l'appartement est rendu, quoi, si je comprends bien. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. En vrai, tu fais un trou pour mettre un porte-manteau, 100% tu laisses le porte-manteau dans la foulée, quoi, parce que... Attention, la satisfaction! Il est pas mort. Niveau 14. Bim, énergie max plus 3. C'est bon ça. Guerre de factions débloquée. Genre... la Norde. Crypte menée par les gardiens de cryptes démoniaques. Chaque crypte de faction a été envahie par les factions des alliances en guerre. Forme des équipes de champions de chaque faction et aide à libérer leur crypte. Glyphe récompense. Non, je veux pas... J'étais dans ma bataille. Merde.
Je veux pas y aller. Si, apparemment, faut que je... Chut. Je retourne en guerre. Non, c'était pas ça. C'était les catacombes, là. J'ai pas battu le boss. Bon. Je vais directement là. C'est peut-être pas ça. C'est pas grave. On va directement au boss. Hop. Petite pluie acide ici. Bon, elle allait pas rejouer tout de suite, mais bon. Oh, ça met des super boucliers ici. Elle a disparu. Mais il garde les buffs quand même. Nice. Ah, le voilà. Là, il y a le boss. Là, on rigole plus. Aïe. Oh, plus d'acide, évidemment. Oh, bon, alors ça, c'est fait. Oh là 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 là! Nouveau champion peu commun, un squelette, ça ne rigole absolument pas ici. Mm-hmm. Ok, voyons voir nos petites missions. Donc ça, on peut prendre. Mission de champion. Améliore une compétence de champion rare de type attaque à l'aide d'un tome de compétences. Bah ça tombe bien, on vient d'en déverrouiller un en plus. Salut Nao, dis-tu restes en fois 1 pour les animations ou le x2 t'intéresse? Ah, le x2 peut m'intéresser, ça se passe où? Dans les quêtes, j'ai des trucs aussi. Oh bah là, la seule quête à faire, c'est combattre 5 fois dans l'arène classique, bordel. Alors, combattre 5 fois, on peut le faire, on n'est pas obligé de gagner, dans l'absolu. C'est en bas à gauche, en combat. Alors d'abord, je vais dans la taverne, et je vais améliorer une compétence avec un livre de compétences. Pluie acide! Oui! Yes, yes, yes! Trop bien! Voilà, il suffisait de demander quand on demande poliment. Obtient un lien de parrainage. J'en ai déjà un. je suis là. Ah. Ça compte pas mes trucs de parrainage. Bah yes. La mission que je débloquerai jamais. Ah. Faut juste combattre, on n'est pas obligé de gagner. Attendez, on va essayer. La reine. Classique, du coup. Bon. Par exemple, peut-être que celui-là, on peut le battre. 6400 de puissance d'équipe. Go. Non, il tue pas tout le monde. Ah, là, normalement... Mais arrête de la soigner là. Ok, ça c'est fait. Ah! On tue celle-là, comme ça on est débarrassé, il en reste une.
On va se soigner aussi. Il n'y a pas de raison. Allez là, voilà. Nickel ! C'est une victoire, mesdames et messieurs. 5 victoires, ils m'ont dit ? Ok, ok. Sans perte de champion en plus. Quelle classe ! Quelle classe ! Oh, merci ! Merci pour le soutien ! 12 raiders au niveau 12, incroyable ! 12, 6 au niveau 12. On bégaye, on bégaye. Alors, attends. Puissance d'équipe. Moi, on peut voir ma puissance d'équipe quelque part à moi ? La musique qui s'est arrêtée de manière drastique. 9000 ma puissance d'équipe. Oh, ça va. Alors, victoire. Franchement, oui, quand même niveau 24 avec une étoile. Ah, j'ai peur. Je vais tester. Elle. Allez, on teste, on teste, on teste. On y va. Le perso niveau 2, ça peut... Doucement ! Alors, elle nous emmerde. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, on l'a fini elle, je pense. Ah oui, bien vu. Ah, je peux mettre en x2 trop bien en vrai. Merci beaucoup. Ah oui, ça change tout. Oh non, j'ai perdu quelqu'un. Ça dégage. Oh, ça fait même bizarre. On a l'impression qu'ils sont sous speed. Alors, la puissance d'équipe, c'est juste des quelques sombres et étranges du cumul des stats. Ça représente rien. Gagné! Enfin, il y a quand même des persos. Enfin, moi, je me fie aussi au niveau max d'un perso, tu vois. Je me dis quand même. Après, là, ça veut dire qu'elle a que 3 persos. Ça se tente. Oh, mais elle a des persos super boost. 30, 30 et 19. Allez, une de moins. Aïe, aïe. Oh, j'ai plus beaucoup de vie, hein. Heureusement, l'attaque est mono-cible. En vrai, c'est showtime. Oh. Comment ça, aise ? Ah non, c'était dur. Bon, on est à 3 victoires, ok. J'ai tenté celui-là. Mais ça fait trop peur. Oh la vache. J'enlève le soin.
Elle meurt avec le poison, non? Je sente la mort par le poison. Aïe, aïe, aïe! Oui! Elle meurt. C'est le 2v1. Oh! Oh, vas-y! Yes! Wouhou! Oh là 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 là! On a eu des décès, on a des décès. C'est dur quand même, il y a des décès. J'ai des pertes de mon côté hein, également. Mais il me reste une victoire à faire. Ouais, porte-crâne en vrai... plus qu'utile. Hein. Vachement HL, ça m'inquiète. Peut-être que ça se tente. Allez. Oh là 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 là. Ils sont quand même plus HL que nous. Allez, ça se tente. Oh, si je perds Kael par contre. Ok. Ah ! Bon, le soin. Ah, oh, c'est pas fou, hein. Aïe, 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 aïe. Qui a dit qu'on allait gagner là? Parce que vous me portez un peu la Shkoumoun. Le 5 truc en arène qui allait se transformer en 5... Aïe. Allez, porte-crâne. Je crois en toi. Oui. Ça fait 5 victoires, ça. Non. Allez, 5 batailles en arène. C'était juste 5 à faire et ça s'est transformé, vous avez raison. Allez, c'est transformé, qui porte la cause du... ça va, tu es pardonné. Allez, ça fait plaisir. Les quêtes quotidiennes qui sont réalisées. On a des quêtes hebdomadaires, on a des quêtes mensuelles, on a des quêtes supérieures qu'on n'a pas débloquées encore. Donc c'est vrai que si tu connectes tous les jours, tu peux réaliser tes petites quêtes au passage. On a des défis aussi, hop. On a réussi. On a réussi l'arène, c'est pas gagné, hein. On a des trucs à ouvrir? Ah non, c'est bien ce que je me disais. Ah, si t'as des persos comme ça, tu peux... Oulolo. Non, je retire tout ce que j'ai dit. Vous ne portez pas la poisse. Alors, il y a des nouveaux équipements potentiellement. Elle s'étouffe avec sa propre salive. Suivez son histoire. Vraiment terrible. Ok. Bon, moi j'ai envie de continuer la campagne en vrai. On part sur la forêt de Durham. Chapitre 4. Va dans le magasin, t'as des trucs à récupérer. To gain entrance into Aravia, they would have to pass through the dark wood to Felwyn's gate.
Pour accéder à Ravia, ils devaient traverser les sombres bois jusqu'à la porte de Felwyn. Après un trek de 3 jours, ils reached the edge of Durham Forest. Home of the Dark Elves. On va chez les elfes noirs. The elves promised safe passage to those who would pay the toll. Évidemment un péage. Showing them the signet of the king, the company claimed right of way as bearers of the monarch's word. But the Dark Elves recognized neither king nor queen and attempted to take their toll in blood. Ah! Et là on va se faire attaquer. Alors. Juste, du coup tu m'as dit va dans le magasin, t'as des trucs à récupérer. Ah, soyez vigilants alors, il peut y avoir des petits trucs gratuits de temps en temps. Non, là, j'ai rien à... Ça m'a donné des choses, mais je sais pas trop quoi. Oh! Cadeau de notre part, cadeau! Oh, j'ai plein de cadeaux. Ah! Ah, j'ai trop récupéré de cadeaux. Bon, je retourne dans ma mission. Et par contre, obtenir un lien de parrainage. Bon, en fait, j'ai juste à le réclamer. Deux trucs, c'est exactement la même chose. 200, un XP 3 jours, un truc, deux trucs. Hop. Voilà. C'est juste histoire de valider cette mission. On bat 3 fois dans l'arène classique. Bon, allez, je retourne dans ma bataille là. La suite de l'histoire. Les elfes noirs, on était là. C'est parti. Tous les jours dans notre promotion limitée, il y aura des trucs gratuits. Et prends aussi là où il y a le sablier. Ah, c'est bon à savoir. Bon alors, on met bel et bien évidemment Kael. Merci Thermora. Merci beaucoup pour ton aide. Merci Pipoteur qui est en niveau 12, vous êtes trop fort. Bon, on prend porte-crâne et on prend... Merci, waouh là là, vous êtes nombreux à participer, ça fait plaisir. Ok, ici on est dans une forêt noire. Noir c'est noir. Il y a comme des minotaurs. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez sur celui-là, bichette. Je t'attends. D'accord. J'arrive. Alors, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Regardez comme ils s'attaquent aussi aux gens de leur espèce. Enfin, un porte-crâne leur a rien fait, tu vois ce que je veux dire? Ils lui ressemblent, c'est presque la même famille. Et pourtant, ils s'en prennent à lui instantanément, quoi. Oh là 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 là, c'est tellement satisfaisant. Pluie d'acide, AKA, le meilleur sort actuellement au jeu. Hein. Moi, je vous pose ça là. Le petit poison, pluie de flèches qui s'abat. Nice. Ah oui, le x2. Ah oui, mais du coup, il faut le faire à chaque fois. J'avais pas pris la mesure. Merci à Dister pour l'info. J'avais pas fait gaffe. Celui-là, hop, il nous quitte. Ça le fait.
Voilà. C'est bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On gagne des items, faudra que j'aille regarder ce que ça vaut. Hein. Et là, c'est remis... Ah oui, d'accord, le x2, c'était bon que pour l'arène, mais par contre, c'était pas... Il fallait que je le fasse au moins une fois dans les campagnes pour que ce soit compris pour la campagne également, quoi, c'est ça. Ah, danse de la lame. Oh, des sorts de zones. Ça tombe bien, j'en ai aussi. Bim bim. Un de moins. Je vais le rendre 2 sur 3. Voilà. Pluie acide. Toujours terminé sur une petite pluie acide. Ah ça, ça fait plaisir, on va avoir un truc à ouvrir, un éclat. Oulalalalalalala. J'ai l'impression qu'on arrive... Vous vous souvenez dans Twilight, il y avait une espèce de... Un concile comme ça de vampires. Bah j'ai l'impression que c'est ça. Franchement, on dirait qu'ils sont tout droit sortis de Twilight, là. Ceux qui étaient du côté de l'Italie. Allez, plus acide. Un de moins. Je les défonce. Ou presque. Des boucliers qui sont mis. On passe quand même. Ah, Mr. Toadette, il est en donjon tofu sur Hagrid. Il est en difficulté. Si des gens veulent aller lui filer un petit coup de papate. Nice. Non. Pas la peine de lâcher la pluie acide tout de suite. Surtout que le round 3 arrive. Et là! Là, la pluie acide. Oh là là, c'est si propre! Incroyable! Ok. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment voulu la finir hein, parce que... En fait, ouais, j'aime trop les jeux en tour par tour, c'est une dinguerie. Hein. J'aime trop les jeux vidéo. Vous savez qu'en ce moment, je suis vraiment... J'ai une satisfaction permanente. Enfin, je trouve que les jeux auxquels je joue sont trop bien. Même là, enfin... Hein, c'est une OP et tout, mais je prends grave du plaisir, tu vois. Genre, jouer aux jeux vidéo, c'est... Enfin, alors, c'est un peu la réflexion que je me faisais aussi il y a quelques temps, c'est que... Vraiment, c'est les jeux vidéo, enfin, surtout avec ce qui se passe là en ce moment en Ukraine, moi, ça m'a... Ça m'a fait monter les glandes jusqu'ici, tu vois, et ça me faisait me sentir pas très bien dans l'absolu. Beaucoup de stress, beaucoup de temps passé sur les réseaux à scroll parce que, tu vois, d'un côté ça t'angoisse, mais d'un côté t'as envie de savoir ce qui se passe, ça t'angoisse encore plus de pas savoir, quoi. Quelque chose dans le genre, et vraiment, c'est là que ça m'a reconforté dans le fait que vraiment les jeux vidéo, c'est ma petite bulle de sérénité, quoi, tu vois. Je me sens tellement bien, ça te déconnecte du monde, les jeux vidéo, c'est... C'est pour ça que je les aime, je crois. C'est vrai que le combo des flèches, du sort de zone des flèches, je sais plus comment ça s'appelle, je vais aller regarder, pour quand la pluie acide ne finit pas, c'est quand même pratique. Ça s'appelle pluie de flèches, tout simplement. Bon, on va mettre 3 sorts sur un perso. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Aïe.
Nice. Wouah ! On dirait presque un coup critique. Wouhou ! What the fuck, porte-crâne qui ne se sent plus ! Par contre, le seul truc... c'est qu'on voit pas qui est le suivant à jouer. Tu vois, pour optimiser un peu les coups portés. Mais peut-être que c'est pas un truc qu'on peut savoir, tu vois. On a eu un mort. Le boss. Le boss, il est là. On y va. Sachant qu'on a eu un mort là. Mais... On va voir. Elle est plus assez. Nickel. Oh, c'est très efficace ça aussi. Alors, il tape beaucoup en zone. Ça dégage. Aïe, aïe! On perd encore quelqu'un ici. Des boucliers. Ok, et là c'est le boss. Et on n'est plus que 3. Aïe, 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 aïe. Dans le doute, on va quand même soigner Kayle. Je sais pas si c'est un dragon, il va nous cracher du feu, c'est sûr. Ah ! Non, il crache pas de feu, il crache de la bave ! Il crache de l'acide ! Il est... le dragon de Tchernobyl ! C'est du poison en plus, moi aussi je vais lui mettre du poison, c'est quoi ? T'as cru quoi toi ? Aïe, 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 aïe. Bon, on va quand même en venir à bout. Et voilà ! Bravo ! Bravo nous ! Ainsi se fit jour l'horrible vérité des elfes noirs. Dracarys ! Tu le vois avec la barre jaune au-dessus du perso, c'est ton compteur tour. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout à la barre jaune. Exploitant le désespoir des réfugiés, ils offraient deux chemins. Le chemin de l'homme riche offrant un passage sûr jusqu'à la porte de Felwyn. C'est le chemin du pauvre homme conduisant tout droit dans la panse du dragon. Les illustrations sont très jolies, regarde. Known for her exceptional beauty, she was also a famed mistress of the old magic. So our heroes joined the torrent of hopeful exiles traveling eastward to the promise of sanctuary among the high elves. Après les elfes noirs, les hauts elfes, ring de gardiens débloqués, gardiens de faction fées de champions en double, les gardiens de faction pour booster les stats de la faction. Ah oui, toujours dans l'idée des factions, c'est vrai qu'on s'est pas trop intéressé à ça pour le moment. Arriving at the snow-clad moor that sloped down to Felwyn's gate, the company surveyed the oh, on dirait le mur c'est Game of Thrones tier. A multitude of half-starved refugees. Human folk, lizard men, elven. The many peoples of finalement, Valeria, tu vois, porte-crâne, c'est un homme lézard. Et dans Arisen, on connaît les hommes lézards. C'est pas les mêmes, du coup. Hein. Ogryn and Skinwalker guards were denying them entry, telling them to clear off back to their homelands. The company agreed to force their way through. Il nous reste, il manque une personne pour valider le palier du tuto d'ailleurs. On est à 14 sur 15 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc si quelqu'un se chauffe à faire le tuto, il manque juste un participant. Bon, attendez, avant de me lancer dans cette aventure, je préfère peut-être aller voir si je peux pas... Déjà, on va ouvrir les éclats aussi, hein ? On en a plein à ouvrir, là.
Oh. Elle a changé... comment c'est une orque? Du coup, comment elle s'appelle la ogrette? Tu vois où les quêtes du tuto? Bah, c'est quand tu lances le jeu, c'est... Alors, c'est quand tu commences le jeu en commençant par mon lien, du coup. Hein. Sinon, c'est pas comptabilisé, bien sûr. La bourquette, voilà, chercher le nom. Et... Ah, elle est pas mal, celle-là aussi. Dommage, les niveaux 1, ils sont assez swag au niveau des skins. Hein. À partir du portable ou du PC, les deux fonctionnent tant que ça passe par le lien. Voilà, c'est juste ça. Et donc, c'est compléter le tutoriel. Donc, c'est vraiment les toutes premières étapes du jeu, c'est quand tu commences, quoi. Normalement, t'es à peu près guidé quand t'arrives pour les faire. Hein. Oh! Oh non, les hommes lézards, vraiment, je peux pas. Hein, c'est... Alors. Moi, j'ai envie de faire up quand même. Donc là, si je comprends bien, pour améliorer le rang du perso. Ah, il faut d'abord qu'il soit au niveau max. Donc, le niveau max, ça serait quoi? Potentiellement le niveau 30? On va monter. Oh, merci Volda qui atteint le niveau 12. Le niveau 12, vous êtes trop chaud, ça y est. Je crois que le niveau 12, on est au max. Le max, c'était 6 et vous êtes déjà 8 à avoir complété jusqu'au niveau 12. Mais merci beaucoup. Bon, on donne à bouffer les persos de niveau 1, quoi. C'est déjà ça de prix. Et tant qu'à faire, les persos de niveau 2, du coup. Qu'on n'utilise pas, bel et bien, évidemment. Hein? Comment ça, fusionner? Ah! Parce qu'il y a le petit truc ici. Comment on fusionne? Je veux pas sacrifier, du coup, je veux tester la fusion, moi. Et porte-crâne aussi, il peut fusionner. Je petitais, j'ai fait ça, c'est adorable, Raph, merci. Quelqu'un sait comment on fusionne les persos? J'aimerais bien tester. Il a du stuff assez basique. Attaque divine. En vrai, j'ai des stuff très sympas que je devrais peut-être utiliser. Genre, mettre des taux critiques, trucs comme ça. Bon, ils sont habillés, bien sûr. Vous allez me dire, c'est pas la peine de les habiller, mais... Chambre. Là où tu invoques. Ah ouais, dans le portail, du coup. Ah, fusion. Ah, ok. Alors, si j'ai ça, plus les autres, je peux m'en servir pour... pour créer celui-là, et une fois que j'ai celui-là, plus celui-là, plus celui-là... Ah ouais, c'est un bordel pour avoir celui-là en ultime. Mais ça, j'imagine que c'est temporaire. Ça dure combien de temps? Des fusions à durée limitée. Du coup, votre stratégie, c'est de garder... de faire ça, tout en gardant un maximum de personnages. Enfin, genre des cartes en double, tu les gardes dans...
dans l'idée potentiellement qu'il pourrait être fait des fusions, un truc comme ça. Il a un petit côté Lee Sin. Oui. Oh là là. Ah ouais, ring de gardien. Négociant de jetons. Ah, pour ça, il faut des jetons. Donc je peux le mettre à exp en fait, c'est ça le truc. 0 XP par heure. Comme c'est dans mon équipe, je peux pas le mettre, mais par contre celui-ci, je peux l'y mettre par exemple. Rota de morve. 2200 XP par heure. J'ai déverrouillé plusieurs emplacements, très bien. Et légendaire en double. Encore faut-il en avoir. On n'a pas de légendaire, nous. Catalogue. Ah, c'est toutes les classes de perso. On aurait eu potentiellement. Ça, c'est parce qu'on l'a déjà eu. C'est le truc Panini, quoi. Ah. Commun, peu commun. Les rares. Ok, ok. Ça, c'est le livre d'images. Les Télériens, le pacte gaélien, les corrompus, l'union nizérienne. Il y a du lore, hein, quand même. Hein. Ok, ok. 11h37. J'ai envie de faire une pause mouette. J'ai envie de faire pipi. Je reviens. Bougez pas, je reviens. Heureux. Du coup, c'est clair que ça donne envie de se connecter quand même assez régulièrement pour... Si tu veux avancer en plus sans mettre trop d'argent dedans, tu vois. Faire ne serait-ce que tes quêtes quotidiennes pour avoir les récompenses et tout. Je continue la campagne parce que, en vrai, je trouve intéressant. On est là, porte de Felwyn. On a eu des morts quand même sur l'étape d'avant, donc... Salut Ryan. Ah oui, mais c'est mieux si je mets une équipe quand même. Quand même. Ah non, c'est juste que je suis obligée d'avoir... Ah non, elle est là. Oh, j'ai eu peur. J'ai quand même pas... j'ai quand même pas utilisé mon archer pour exp quelqu'un. Oh là là, la frayeur. J'étais en train de me dire les items. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Ok, bah déjà, tu vois, mes pluies acides, là, elles sont pas suffisantes pour tous les avoir. Et on est qu'à l'étape 1.
Nice. Alors, vous m'avez dit la barre jaune. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que c'est lui qui joue le prochain. Non. Si tu veux bloquer un perso pour ne pas le perdre, tu as un cadenas dans la fenêtre de présentation du perso. À cause du son du jeu, je ne t'entends plus. Du son de mon jeu ? What the fuck ? Ça veut dire que depuis tout à l'heure, je parle et personne m'entend, c'est ça ? Non mais quelqu'un m'avait dit... Ah, de ton jeu à toi, ok. Quelqu'un m'avait dit que par rapport à la barre jaune ici, en gros, c'est comme ça que je pouvais un peu prédire à qui ça va être le tour de jouer. Sauf que, ben... J'ai un peu du mal à me fier à ça, quoi. Ou alors j'ai mal compris le truc. Si tu vas par là, là, ils vont tous jouer. Ou alors ça va être lui. Mais il est mort. Du coup, c'était lui. Salut, ça va? Je vois que tu débutes et moi je suis avancée. Est-ce que tu veux des conseils? Après, si vous avez des conseils, bien sûr, je suis toujours preneuse. Là, c'était plutôt, en gros, ma question. C'était comment est-ce que je peux savoir afin d'optimiser ma partie... Quoi? Quel est mort? My god. Ça va être compliqué. Comment je peux savoir en fait quel adversaire va jouer afin d'optimiser tout ça? Mais là... le niveau est tendu... C'est tendu, Natacha, quoi. Genre là, qui va jouer après nous? J'ai trouvé la solution. Ah, de ton son. Ok. Round 1, c'est bon. Tu vois, qui va jouer après Kay, là? Salut, Léonard. Le 10 bleu. Ah, parce que... Pourquoi? Parce qu'il est en bleu, justement? Non. Rien à voir. Et du coup, là, qui joue après? Tu vois, pour les éliminer dans un ordre où je suis sûre qu'il ne rejoue pas, peut-être. Oh my god. Aïe 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 aïe. Ça se booste en plus, hein. On va soigner Kayle quand même. Ok, bon, je sais pas si c'est la barre jaune, mais... La barre jaune s'appelle la barre du compteur de tours. Donc là, il faut que je le tape lui parce que c'est lui qui joue après, c'est ça? Ah. Pas du tout, regarde, c'est lui qui a joué! C'est un non-sens, Natacha. Pourquoi il fait pas de... Hein? What?
Attendez, mais ils sont intuables. Oh my god. Oh, je vais mourir. Ils ont un buff invincible. Bah super. Il faut que la barre soit remplie. Donc en gros, eux, ils vont jouer bientôt. C'est ça que ça veut dire. Toi, t'es toujours invincible, toi? Non. Bon, on va quand même mourir, hein, mais... Allez, hop. Oh là là, il manquait pas grand-chose. Ok, ok, donc j'ai la barre. J'essaye de refaire. Mais là, c'est ouf parce qu'ils ont tous la barre pleine. Donc comment je sais, tu vois, lequel va potentiellement jouer? Bon, round 1, ça c'est fait. Joue en auto. Bah non, c'est pas drôle. Les braises, ça fait mal, ça fait mal. Faut qu'on se soigne. Il y a du poison. Pas suffisant. Ceux-là, ils sont durs, hein. Ne meurs pas, ne meurs pas. C'est boost comme Jaja. Bah, y a la question des affinités, bien sûr. J'essaye aussi de focus les bons persos au bon moment, mais justement pour optimiser la chose, tu vois, pour moi, en tout cas, dans ma façon de concevoir le tour par tour, c'est bien de savoir qui joue prochainement, tu vois. Qui joue entre tel et tel perso pour que ça me... je puisse anticiper le combat en mode bah celui-là je peux le taper parce que j'ai trois persos qui vont passer dessus avant qu'il joue et donc je suis sûre de me prendre ce coup-là en moins, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Du tour par tour, quoi. Effectivement, là, si je me fie aux affinités, bon bah je vais taper en priorité celui qui a du jaune au-dessus de la tête. On va soigner Kayle, je pense. Mais bon, il tape trop fort, hein. C'est insane. Hein. Donc là, ils sont tous... Ils ont tous un buff d'invincibilité, là. Non, pas spécifiquement. Bon, c'est le moment de lancer une pluie acide. Oh, c'est même pas suffisant! Quel enfer! Ah, oh, j'ai clairement pas le niveau pour venir à bout de ces mecs-là. Hein. Alors c'est marrant parce que j'étais persuadée d'avoir tapé celui-là. Alors je peux les descendre mais pas les tuer. Après, on gagne quand même. Je retente. La meuf, elle s'arrête plus. Et... Après là, si j'en profite pour booster maintenant. Là, il faut le finir. Voilà. Ok. Je me booste parce que ça compte pour la suite, on est d'accord. Là, voilà. Attention, je joue tactique là.
J'ai mis du poison un peu sur tout le monde. Alors là, ils sont full boostés. Oh, merci! Merci! Le niveau 12 qui atteint! Niveau 12, vous êtes super chaud. Yes, on a fini. Attention, la braise. Là, ils vont tous nous braiser. Aïe. Alors je peux pas la soigner du coup. Mais déjà on est 4, elle risque par contre de mourir bientôt. Un poison qui est placé. Elle aura le temps de mettre un sort. Est-ce que ça va faire la différence ? Alors je peux descendre mais pas les tuer quand ils ont ça. D'accord. Donc il faut que je tape quelqu'un qui a toute sa vie potentielle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Faut tenir, il faut tenir. Je ne peux pas soigner. Je peux taper. Là, on va pouvoir... Aïe, 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 aïe. Doucement, doucement. La pluie d'acide, là, qui pourrait faire du bien. Ah, il est mort. Est-ce que ça va suffire? On tue celui-là. Aïe. Aïe. On tue celui-ci. Le 1v1. On survit. Lula ! Tiens, on s'est pas laissé faire là. On a optimisé un peu notre gameplay, tout ça. On y est arrivé. Bon, est-ce qu'on peut faire l'étape suivante? Tout ceci se chauffe évidemment. Hein. Améliore des artefacts. Je suis peut-être potentiellement d'accord. Un t-shirt des bons conseils. Le site Alucard, un streamer français, a créé un site sur Red. Ok. Peut-être que c'est le moment de booster quelques artefacts, effectivement. Bon, une fois sur deux, ça marche pas. Vous passez tous le niveau 12, merci. On est déjà au palier max, mais merci quand même. C'est que vous kiffez quand même. Ça me fait dire. Moi, j'essaye de up les trucs quand même. Tant que j'ai de la chance, j'y vais. Là, ce qui compte, c'est surtout que quelqu'un finisse le tuto, mais peut-être que du coup, Raph, toi, tu vas pas tarder à y arriver. Ce palier-là sera très très intéressant. Ok, bon, alors ça c'est fait. Peut-être que porte-crâne, on peut optimiser ça, quoi. Je sais pas ce que ça vaut comme amélioration. C'est des CC. C'est pas mal les CC dans l'absolu. Après, je pourrais lui mettre du vol de vie à porte-crâne. Hein. Merci, Litania. Bonne journée, bon courage. Le jeu est assez addictif, mine de rien, mais plutôt lent en early. Amuse-toi bien, c'est gentil, merci. Ah, les 7 d'items se boostent entre eux. Ouais, mais là, j'ai pas assez. Autant, quand j'ai pu, j'ai mis un 7 d'items. Là, j'ai pas quoi.
Par contre, je lui mettrais bien le vol de vie, je trouve que ça lui va bien. Tu vois? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bottes. Hein. Merci, Razate! Niveau 12 également, élégant. La porte-crâne, il va être incroyable, la porte-crâne. Ouais, je sais que je peux farm. Après, je veux voir. Je veux voir ce que ça va donner. J'améliore ça tranquillement. Hop. Est-ce que ça va faire la diff, tu sais, en fait? Ouais, voilà. Ah ouais, j'avais déjà monté plus vite. Voilà, j'ai des shots là. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, je m'y suis cru. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On teste. On teste. On va voir ce qu'on a, à quoi on a affaire. On est d'un niveau clairement inférieur. Bon, alors. Allez, on se booste. Commençons par ça. On va commencer là par une petite attaque de pluie d'acide. C'est bien, ça permet de faire un peu de ménage. Nickel. On va partir sur eux. Ils font des brasiers, je le rappelle. Oh, je pense que le poison devrait suffire à le finir. Pourquoi c'est... J'ai mes clics ou quoi? C'est vrai qu'il a focus elle, elle est beaucoup moins résistante que les autres. Bon, le poison n'a pas suffi, on le tue. Celui-ci. Nickel. Celui-là. Et puis là... Je pense qu'on peut boost tout le monde, ça servira toujours. Non, c'est pas d'office inutile. Et voilà. Ok, et on arrive au round 3 avec des gens pas sympathiques. Du tout, du tout, du tout. Aïe, aïe, aïe. On se calme, grand fou. Et what the fuck, beaucoup plus facile. Bon, là on rigole un peu moins tout de suite. Là on rigole tout de suite un petit peu moins. Ils sont limite tous plus HL que nous, quoi. On tente quand même, hein, la folie s'empare de nos corps. Ah, la contre-attaque! Oh là là, c'est tellement stylé! Porte-crâne qui nous carie ici. Allez, on part là-dessus. Un de moins. Ouais, il a focus, hein. Ils sont intelligents sur cette action. On se booste. Le boost qui fait plaisir. Un de moins. Il reste un chien qui saute à la gorge. On va soigner Kayle parce qu'il faut qu'il tienne le round 3, évidemment.
Il lui a pas mis de poison, c'est dommage. Plus beaucoup de vie alors qu'on attaque le round 3. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'ici, ils n'ont pas l'air sympa, c'est le cas de dire. Pluie d'acide! Oh! Oh, waouh! Oh, waouh! Mais oui, je régène un peu entre chaque vague, déjà. Je m'en rends compte. Et incroyable, parce que... j'ai plus galéré dans une vague que dans... Bon bah... Allez, continue, on tente. Je suis en train de faire des heures sup, là. Mais vraiment, verser le sang, déjà, ça m'a carré un petit peu. Pluie d'acide. Nickel. Ensuite, voilà, on élimine un maximum. Je pense qu'on peut prendre le temps de se booster tranquillement. Voilà. Ça servira pour la suite. Je sais pas si le boost demeure parce que ça n'apparaît plus sur nos têtes en fait. C'est peut-être complètement con ce que j'ai annoncé. J'aurais peut-être dû partir sur lui pour le coup. On reste sur le focus, on le termine. Merci Zekoalax, j'ai toi level up niveau 19. Merci infiniment pour le soutien. On va soigner elle. Ah oui, ça sert pas, les buffs sont reset. Donc tu vois. Mais bon, il faut le faire un peu pour bien le appréhender cette ce point de détail. Par contre, ce qui est mort reste mort. Hein. Ça, c'est... Ok. Parce que les cooldowns aussi restent, tu vois. Oh là là, comment ça soigne? Invincible, carrément. Ok. Oh, doucement! Doucement! Oh non, porte crâne! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est marrant parce qu'il y a une provoque qui le fait l'attaquer lui, mais il est invincible en même temps, tu vois. C'est... Bon, bah là, c'est la mort. Là, c'est... Après, lui, on peut le finir. Ça fait un de sûr. Aïe. Aïe. Je pense pas que ce soit suffisant pour résister. Hein. Non, non. C'est la fin. Terrible. Bon. Les amis, je vais devoir vous abandonner. Ah non, on devait regarder une autre pub. Il y avait deux pubs. Attends, on va regarder... on avait regardé la meuf et le caddie. On va regarder... laissez-moi réfléchir. On va regarder à la station essence. J'espère que ce sera aussi drôle que le caddie. Je te conseille de mettre du vol de vie sur ton perso principal. On venait de le restuff KL du coup. J'ai pas de clan. J'ai pas de clan. Regardez cette petite publicité. Tout à l'heure avec le caddie c'était drôle. La meuf elle était hyper badass. Mais non. Tervold est phénoménal dans Red Shadow Legends. Il fait tellement de dégâts qu'on sent le téléphone vibrer. Mais... En tant qu'employé... Je ne crois pas qu'ils comprennent ce que sont les voitures. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée de pub en vrai. J'aimerais bien qu'ils fassent pareil avec les persos de Dofus dans la vraie vie. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Tu veux te battre contre moi? Ouais, t'imagines, il y a des Américains, ils ont des voitures comme ça. Ah, MDR. Merci, bonne journée.
Profite au mieux de tes champions dans Raid Shadow Legends. Télécharge maintenant et joue gratuitement. Ouais, je trouve qu'ils ont quand même bien trouvé les pubs en vrai. Voilà, comme ça j'ai vraiment répondu à tout ce qui m'était demandé sur cet OPSP, je le rappelle. Mais c'était très cool, j'ai passé un très bon moment, j'espère que ça vous a plu aussi.